on arrive à la gare de Biarritz. Je suis accompagné de Davidson, le caméraman du podcast. Pourquoi je prends un accent comme ça? La gare de Biarritz. Et les deux chibres qui arrivent, qui sont là-bas. Alors, comment s'est passé le trajet? Magnifique. J'étais près d'un enfant insupportable. Et après, j'ai parlé à Pierre et c'était encore pire. Finalement, j'ai... Ça va, ça va. Il y a l'autre qui avait un chapeau de gogol. On aurait dit le Bob de Artus dans un petit truc en plus. De quoi? Ça sera la planche au milieu. La planche est sur le côté comme ça. Ça fait des années qu'on le traite de gros cul, faut bien que ça lui serve à un moment. Oui, c'est vrai que là je le prends même. Tu sais pas Urbain, il était en seconde, il est sur mon plan de maladie. Alors, qu'on dise pas que, hein, on a beaucoup de trucs sur moi. Bon, c'est pas moi qui les ai pris, moi. Voilà. Davidson qui prépare et les deux chibres qui sont là. Yes! Voilà, alors c'est moi qui vais essayer de présenter ce podcast. Je vais parler, je pense, de roues, même si Urbain m'a dit il fait chier. Voilà. Oh. Ça va ou quoi? Allez, ça va et toi? Comment ils vont les sportifs? On a le végétarien qui est juste là. Salut tout le monde! Les graines, c'était pas à faire à manger. Non, comment, mais il est pas dégueulasse, mais il a pas trop de goût. Bah, bon, très très bien, en plus là on a un bon. C'est pas vrai. Putain! Oh hey, tu mets pas ça dans le vlog, je te jure, on va te faire enculer. mec, tu l'as fait dans le micro. Bon, alors là, vraiment, je suis très content que ce soit filmé. Ce sera remis et re-remis en boucle. Surtout que je l'ai, Non, mec, ma meuf, elle m'a engueulé et tout. C'est parti, on fait notre premier épisode de Podcastos en vacances. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais, le nom est toujours aussi nul, mais on est chaud. C'est parti pour le premier épisode. Davidson, t'es chaud? Tu sais, enfin, je parle à l'ancienne, quoi. Ah non, c'est Le Pen, bon bar. Ouais. Quand je pense Franjo, je pense plus Le Pen. Ah ouais, moi aussi, je pense plus. Même si là, tu sais à qui je pense? Vincent Perrault, 40 degrés à Lombard. France 3 vacances. Fin du premier épisode, on va filmer le deuxième. J'avoue, on récupère pas le chapeau. On a mis le chapeau du Urbain. Non. Ouais, qu'est-ce que vous pensez de ce premier épisode? Moi perso, j'ai été distrait par la quête du jeu de mots. Il faudrait changer de tenue. Ouais, on change de tenue. Petite technique, je vous donne en off. Pour que, comme ça, les gens aient l'impression que vraiment on filme des jours différents. Mais reste comme ça, toi, tu te sens pas les couilles. C'est ma marque de fabrique. Attends, vous avez pas pris le couvert? En vrai, qui s'est cuisiné ici? Ah non, hein. On sait survivre. Ok, vas-y, il va falloir faire des pauses sur les vlogs. Ce sera pas toute la journée. C'est lui qui m'a dit. Moi, c'est pas possible. Moi, je veux parler à des humains, quoi. Je me suis dit, film. Urban Food Wars. Ah, j'en avais sorti. Ça coupe un concombre, les gars. C'est une courgette, il est con. C'est quoi, c'est courgette? T'as dit courgette? Con, quoi, bah oui. Vlog Cassos, quoi. Putain, ça va s'appeler comme ça, mec. Vlog Cassos. Tu vois, ils volent toutes les idées pour de vrai, lui. C'est comme ça qu'il a été construit son spectacle. Mais attends, il y a des preuves qu'on est en train de rien foutre. Elles sont les assiettes, elles sont là-bas. On les a jamais, elles sont déjà là-bas. Elles sont déjà là-bas. Ouais. Oh, c'était nul. Oh, je m'en vais. Non, moi j'aime bien. En vrai, moi j'aime bien. Alors, deuxième journée de vivre ensemble. J'ai immédiatement changé de tenue quand j'ai vu à quoi je ressemblais sur ta story. Si j'ai envie de me buter, en fait. On va filmer notre deuxième jour. On est avec des invités de qualité, notamment Thibaut qui va nous parler d'immobilier. Exactement, à tout à l'heure. Bon, super podcast. T'as préparé tes sujets? J'ai rien préparé. On va venir au talent, si talent il y a. Putain. Bon, en même temps, il est pas payé, faut pas lui demander grand chose. Il y a Pierre qui fout toutes ses affaires partout. Donc en fait, j'ai accueilli des gitans. Putain. Comment se passe cette deuxième journée avec l'équipe Podcastos? Le pire, c'est que tu te vois dans l'écran. Attends. Ah ouais, c'est horrible, je vois ma vieille gueule là. Vivre ensemble, c'est bien, mais pas trop, quoi. Ça suffit, deux jours. Qu'est-ce que tu supportes le moins dans l'équipe? Attends, tourne la caméra, regarde. Ça va, Davidson, t'es prêt pour filmer la... Oh, j'ai une gueule, frère. Comme d'hab, toujours. C'est bien passé hier, les épisodes? Bah oui, tu sais qu'ils sont déjà préfets, hein. Arrête. Ils sont déjà préfets. Mais on a un champion, on a un mec qui est très très fort. On est avec Lamia qui est venu faire un épisode avec nous. Lamia, un petit mot pour votre Cassos. Fait par et pour des Cassos. Et donc c'est parti, on va filmer. Deuxième jour, on filme. Filme le fait Pierre, filme, Pierre en a marre. Ça devient casse-toi. Je te filme que tu filmes qu'on filme. Tu es monté content là, t'es dans Inception de la vie. Exactement. Et là c'est donc Urbain qui va présenter le troisième épisode de Podcastos Summer Edition. Ça
sa gueule. Petite pause entre deux épisodes. Casse-toi, laisse-moi tranquille. Voilà. Tout mon intimité. Ça se passe ? Casse-toi. On fait un effort vestimentaire pour filmer ces épisodes estivaux. Petite chemise, petit chapeau et Bob chemise bleue. On a ça. Ah, c'est bien, une chemise repassée en plus. Ah bah ça non, ça ne faut pas pousser. Même ton Bob il est pas repassé. Et donc là c'est le temps du repas avec l'équipe de Cassos. Salut. Vous voyez la carte ? Il va tout casser. Je ne supporte plus, tout simplement. Qu'est-ce que je vais manger ? Ça fait 48 heures qu'on est ensemble. Je sais pas, t'as pris toutes les entrées. T'as vraiment fait le port. Hein. Dis-moi, quelles sont vos impressions après 48 heures de vivre ensemble ? Ça suffit. Le vin, c'est là. Et... C'est bon, il faut fermer maintenant. Je propose qu'on se parle pas et qu'on fasse un undercover direct. C'est bon. Vraiment, ça se passe anormalement bien. Je suis très heureux d'être avec ces gens-là. Je trouve que c'est des gens fantastiques et que vous devriez adopter Urbain. Je pense. Bon voilà, demain on joue et on enregistre encore deux autres épisodes. Filmé troisième jour, je suis obligé d'aller réveiller Davidson. Il faut filmer Davidson. Allez, on va pouvoir filmer. Nos amis sont là, sont en place. On a notre deuxième invité de la semaine qui est un spécialiste en immobilier. Tu es prêt ? Ouais. Donc, premier podcast. On est prêt, on est là, on est en forme, exactement. On filme sur l'immobilier, voilà. Des idées du sujet ? Bah vaut mieux, ouais, parce que apparemment vous allez m'en parler, donc ouais, non, on a quelques sujets à traiter, ça. Allez là, ça fait plaisir. On a un sujet chiant qu'on va essayer de rendre intéressant, l'immobilier. Déjà, j'aimerais qu'on fasse du bruit pour Thibaut, notre invité d'aujourd'hui. Merci. Ok les gars, là on est sur quelque chose de légendaire. Le fameux match de Puyo Puyo Tetris. Moi je suis très fort à Tetris. Ah ouais, ouais. Je vais te prendre tout à l'heure. Ah non mais ça c'est impossible ça, franchement. Ça tu me bats, je te paye entrée plat dessert à 42€. Attends, tu joues à quel Tetris? Bah Puyo Puyo Tetris. Ah Puyo Puyo Tetris c'est autre chose. Non mais c'est tu prends que Tetris et là je te fume. Mais Franjo, t'as aucune chance. T'as zéro chance. Ah bon, d'accord. Donc là attends. Ah ouais. Mais t'es fou. Ah putain, je viens de faire un voyage dans votre monde de gros geek de merde. Il y a même Tristan. Je suis où là? C'est quoi pour tourner les pièces? On voit rien, c'est ça qui fait bizarre. On voit que dalle. Il est chaud. Mais c'est trop nul. Et voilà, on va jouer. Donc on va aller faire le plateau. Un petit mot sur Podcassos, qu'est-ce que vous en pensez du projet global? Ça a l'air bien pod, bien Cassos. C'est fait par des cassos pour des cassos. Exactement. Allez, on y va. On est en partance pour le connecteur à Biarritz. On est très heureux. Hey, casse-toi. On joue là ? On joue là, ouais. Ça doit être pas mal, au niveau autour de rire. Ils sont bas. Ah ouais, ouais. Pas de raison, hein. Ça se joue au parking. Bien sûr, ça se joue. Enfin, on peut y faire des gangbangs, on peut y faire des stand-up. Hein. Exactement. Et on sait pas ce qui dure le plus longtemps. Bienvenue au connecteur à Biarritz. Ouais. On a tous l'air quoi ? Franjo dirait qu'il a des cheveux et pas de gens. Ouais, avec Ivar qui est là. C'est vrai qu'on est quand même mieux en photo. Ah ouais. Putain. Juste à la fin, on sera tous les trois, mais ça c'est pas grave. Je filme les backstage. C'est hyper calé. Comment on fait pour le début ? Non, vas-y, attends, viens, tais-toi. Il se parle mal, mais il s'adore. Tu bouges pas, toi ? Bonne ambiance toujours. T'as filmé quand il m'a mal parlé ? Oui. En fait, je sais pas pourquoi, tout le monde le sait, tout le monde regarde Podcassos, que les gens le voient très bien. Que c'est pas un rôle. C'est le pauvre Urbain, vraiment, là j'ai eu de la peine. Attends, tu l'accroches où le micro là ? Mais ça, c'est pas possible, on va l'avoir en main. Et vous allez le prenez là. À part vraiment si ça fait chier, je le mets pas. Comme tu veux. J'ai peur que ça nous fasse chier. Et puis j'ai un qui ne tente rien. Allez, on essaye. Voilà. Et pour vous, monsieur ? Une BA, blonde. Une blonde et un quart de rouge pour ouais. Vous, monsieur. Celui que vous voulez. On avait dit pas d'alcool dans la fiche technique. C'est les vacances, je t'en... Non, on peut pas dire ça dans les... Moi, il faut que je comprenne cet accent. Voilà, on est sur un resto avec un karaoké live. Jodassin, salut les amoureux. T'es prêt ? On demande, mais on le chante d'ici. Parce que j'ai la flemme de me lever. Tout simplement, sans penser à demain. À demain, qui vient toujours un peu trop vite. Ah, tu vas prendre, super, tu vas faire la meuf. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On a mangé, on a très bien mangé. Chez Marion. Mange encore. Oui, Davidson mange encore. Et on se dirige vers la salle. Tu gardes ton chapeau sur ça ? Non, mais c'est pour la course d'hippodrome. Je parie sur petit nuage doré. Putain, je vais peut-être aller devoir courir.
Soyez sincères, c'est quoi vos impressions avant de jouer sur scène là? Un peu trop manger, un peu envie de faire caca, un peu envie de jouer avec ce chapeau. Un peu il fait trop beau pour jouer. Trop manger. Je vous avoue qu'on a un peu la flemme. Et puis on a vu la meilleure humoriste de la soirée à ce restaurant. Alors la serveuse du restaurant chez Marion à Biarritz nous a régalé. C'est la première partie. C'est la proprio, eh ben, allez dans son resto, c'est un régal. Ah là tu peux rien faire. Tous les jeudis, il y a karaoké. On n'a pas pu chanter. Alors on passe par l'entrée des artistes. Les gars, on va se faire un cri de guerre. Ils détestent ça. On va faire le cri de guerre, les gars. Merci. On va faire un cri de guerre. Non, on fait 1, 2, 3, podcast host. Vous êtes prêts? À 3, 1, 2, 3, podcast host. Et on crie. Allez, 1, 2, 3, podcast host. Tu l'as pas fait? Ah, il a fait rien à filmer en plus! Pierre, il a même pas fait le cri de guerre. T'as pas fait le cri de guerre, gros? On va faire un petit peu notre pub. Bah, bientôt, il va revenir ici, ça sera coupé. Et Franjo, toi, tu reviens quand? Moi, je reviens donc le 21 novembre 2025. Le 25! On va revenir. 1er avril 2025. Gare du Midi, venez, parce que écoute, t'as pas une couille à louer. Donc, déconnez pas, sinon c'est fini, quoi. Fin de carrière. Si je fais un petit vlog, du coup, que je pourrais diffuser sur la chaîne Podcastos. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous prendre 2 minutes de votre temps. Je vais dire, ouais, voilà, c'était Podcastos en tournée, le plateau. Et quand je retourne la caméra, faites semblant d'avoir passé un moment. On est bon? Alors, bah, c'était bah, Pierre Thévenu, Urbain et moi-même. Pierre Thévenu. Excuse-moi, c'était Pierre Thévenu, Urbain et moi-même, Franjo, donc Podcastos, le plateau. Et on était à Biarritz. Et c'était la folie. Quand c'est filmé, c'est pas mal. Ah ouais. C'est jamais... Là, c'est le stade de France. On dirait que le BO a enfin gagné un titre. C'est la fin de ce vlog sur Podcastos. Voilà. On termine sur la date Podcastos, le plateau. Un petit mot. C'était incroyable. Vive les Pays Basques. Vive. Podcastos. Et ta gueule urbain. Et donc venez nous voir donc en spectacle parce que moi le petit mot je peux me le foutre au cul. On n'a pas filmé beaucoup ce vlog, je sais pas combien de temps ça va durer et tout ce qu'on a dit ça va être censuré donc j'espère que vous avez aimé ces 30 secondes de vidéo. C'était bien. Ouais, j'espère que t'as bien aimé ce vlog Podcastos en tournée qu'on va appeler vlog Cassos. Viens nous voir en spectacle, c'est Podcastos le plateau. On est extrêmement marrant, voilà. Allez, bisous. Bisous.